Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 10 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini, que le génie qui est en moi soit libéré, que je saisisse clairement le plan parfait immédiatement, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Merci. Vous répétez cela 3 fois. Aujourd'hui, GPG, s'autoriser ou pas. Alors, c'est le premier chakra. Le premier chakra est de couleur rouge et il se situe sous votre périnée. Et ce chakra, lorsqu'il est obstrué, lorsqu'il n'est pas dans l'alignement, eh bien, c'est parce que vous avez un sentiment d'insécurité. Vous plongez, eh bien, dans vos peurs, dans des angoisses multiples. Vous êtes essentiellement préoccupé par vos besoins fondamentaux. Pour certains d'entre vous, vous manquez de stabilité et vos bases ne sont pas du tout solides. Vous avez l'impression, eh bien, de perdre pied et vous êtes persuadé que la vie s'acharne contre vous, en vous apportant, eh bien, son lot de difficultés. Alors vous cherchez soit à compenser pour certains d'entre vous par la nourriture ou par l'agressivité, soit vous vous déconnectez du monde, de votre corps et de vos besoins ainsi que de toute matérialité. La solution, eh bien, c'est de vous placer au centre de votre vie et ne plus vous contenter d'être en sa périphérie. Ça, c'est la solution, n'est-ce pas? S'autoriser ou pas? Alors, tu es peut-être d'une très grande générosité. Tu ne supportes pas que ceux que tu aimes manquent de quoi que ce soit. Et s'il le faut, tu es même capable de grandes privations pour eux. Et tu n'en souffres pas puisque tu te fais passer en dernier. S'il t'arrive de recevoir de jolis cadeaux ou de vivre de grands bonheurs, tu culpabilises presque. Pourquoi ? Il n'est d'ailleurs pas rare qu'inconsciemment, tu ne gardes jamais bien longtemps ce qui te plaît le plus. Ou que le bonheur ne soit que provisoire, puisque tu ne te l'autorises pas vraiment. Et pourtant, s'il est important d'être tourné vers les autres, il est aussi primordial, n'est-ce pas, d'estimer que tu mérites d'avoir et de recevoir, car la personne la plus importante de ta vie, tu l'as peut-être oubliée, mais c'est toi. C'est toi. Autorise-toi donc à être heureux, heureuse. Tu t'es oubliée depuis des années, tu t'oublies depuis des années, pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir aux autres. Mais là, on te demande de t'autoriser à être toi, t'autoriser à être heureux. C'est pas être égoïste, s'autoriser, n'est-ce pas? C'est un très très beau message. Donc, autorise-toi à être toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si toi, tu ne t'autorises pas, mais qui alors? Qui? Très beau message, je termine par ne plus avoir peur. Voilà, je pige une carte. Je remercie les autres, tous ceux qui m'entourent, bons ou mauvais, grâce à eux, je peux sentir que j'existe.
Nous sommes des êtres sociaux, rien ne sert de le nier. Nous mesurons notre existence et notre essence à travers le miroir que les autres nous renvoient de nous-mêmes, même ceux qui nous font peur. Oui, c'est bien vrai. C'est un beau message. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, autorisez-vous à être vous. S'il vous plaît, autorisez-vous. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, allez, prenez soin de vous. Mais vraiment, prenez soin de vous en douceur, dans une sérénité, dans une grande, grande douceur. Parce que vous le méritez. Je vous embrasse. À demain.